pour demander à votre président si vous voulez que mes enfants, mes joueurs, aient une bonne passe et qu'ils passent pas en avant, il faut des ballons neufs chaque année. Ah oui. Si vous avez assez de ballons, ben l'éperdi se fait avec un ballon dans les mains. Merci beaucoup. Ouais, je veux bien. Si on ne nous apprend pas à jouer une tenue, pour quelle raison on jouerait une tenue correctement? Donc, ces choses-là, le grip et le tenue, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on passe le moins de temps aux entraînements. Et pourtant, ce sont la base de notre sport. On se lève et on talonne. C'est ça. Essaye de nous faire un tenu en deux temps. C'est la... Je pense, hein. C'est ça, sauf qu'il faut lever le ballon du sol. Il faut amener les genoux vers la poitrine et de dégager le pied. Il va essayer de se faire le plus rapidement possible et surtout dans un seul temps. Donc toujours les gars, excusez-moi Hélène, c'est un défaut de langage, on garde son ballon, le ballon il n'est pas là, il est là. Je suis là, je tiens mon ballon, ok, on essaye à 3. 1, 2, 3, on dégage et on talonne. D'accord ? Le tenu en deux temps, on ne le voit pas chez les petits, mais chez les benjamins, c'est quelque chose qu'on part de. Vous mettez, par exemple, on part de... Hélène et Victor, mettez-vous sur le genou. Ce n'est qu'un ballon. Un ballon, oui. Mais par contre, quand on est relevé, le tenu doit se jouer tout de suite. On ne peut pas attendre, c'est bon, je regarde un peu et je joue mon tenu après. Non, quand il y a plaquage effectif et qu'il y a l'annonce du tenu, c'est je me relève et je joue mon tenu dans un même. De là, on remet tranquillement, on refait une traîne de cheville, d'accord? On tourne les poignets tranquillement, jusqu'à que Alexis il a tout en place, d'accord? Allez, parti! Aujourd'hui, vous êtes là pour préparer la sélection benjamin. Ça se passera à Pamiers le 7 janvier. D'accord ? À Pamiers. C'est loin, c'est loin. Sur ce endroit, on jouera à 13 sur Grand Québec. Donc on va commencer à vous préparer. Il y a du grip, c'est ce qui nous permet de bien accrocher. En fait, quand on tient notre ballon en grip, c'est qu'on tient notre ballon avec Tu as le ballon dans les mains. Tu tombes au sol. Il n'est pas posé au sol le ballon, il est sous ton bras. Voilà. Tu joues le tenu, regardez bien. On joue le tenu en 2. 1, 2, 3. Là, qu'est-ce que tu fais, Lilian? Tu es derrière, tu ramasses le ballon, tu fais 2, 3 pas, tu tombes au sol. Le ballon dans les bras. 1, 2, 3. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le troisième.
le ballon en grippe. Je suis là. Il est ici, en grippe. Regardez, il ne touche pas le sol. Je monte mes deux genoux. Pied opposé, 2, 3. D'accord? Le joueur qui est derrière, il récupère la balle. Je ne suis pas à 1 mètre, je ne suis pas à 15 mètres. Je suis juste derrière. Le ballon est talonné. Je fais 2-3 pas. Je tombe au sol. Et je fais la même chose. D'accord? Ok? Alors. Vas-y, passe. Le nombre de fois que j'ai été coupé, il n'y a pas de problème. Toi, défenseur, le premier défenseur, tu es retenu. Là, va loin. Bon, on va le faire. Regardez. Touche, touche, avance, tenue, stationnée, on lâche.
formation complémentaire des entraîneurs. Je pense que c'est intéressant. Le retour que l'on a finalement, c'est qu'effectivement, on a bien fait, je pense, d'insister sur la partie règle du jeu, sur des choses un peu basiques peut-être, mais on se rend compte que, ouais, on a du travail. Et je pense qu'elle a été bénéfique et que tout le monde a été satisfait, n'est-ce pas, monsieur Geoffrey Mazin? En tout cas, merci Audrey de nous avoir accueillis, merci pour le café, merci pour la mise à disposition des installations, merci pour tout. Audrey, alors bilan de cette matinée? Écoute, le bilan est très positif, c'était très intéressant d'avoir les éducateurs et les entraîneurs du département, déjà parce que dans ces moments d'échange, c'est instructif pour tout le monde. Et je pense qu'effectivement, comme le dit Freddy, on avait besoin aussi d'identifier des petits moments de formation. Alors, c'est de la formation continue, il n'y a pas d'examen, c'est juste permettre aux éducateurs et aux entraîneurs d'augmenter leur niveau de compétences, d'augmenter leur niveau de connaissances, de pouvoir découvrir des situations de jeu, de refaire quelques rappels sur les gestes techniques, qui sont quand même notre priorité de formation sur l'école de rugby. Donc aujourd'hui, on a parlé des règles du jeu, on a parlé de la gestuelle avec ballon, du tenu. Et donc sur les prochaines séances, on enchaînera sur le travail sur le plaquage, le travail de la défense et des marqueurs. Et voilà, ça permettra aux éducateurs de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de pouvoir découvrir de nouveaux exercices, parce que ce sont quand même eux qui sont en première ligne avec leurs joueurs après sur le terrain. Donc c'est une formation continue pour ceux qui ont envie de progresser, d'apprendre de nouvelles choses. Et on est ravis de cette première journée. On avait un bon petit groupe et j'espère que la prochaine fois, on aura les mêmes et encore plus. Ah ben, c'est bien. Date prévisible de la prochaine rencontre? On le calera avec le comité parce qu'on voudrait continuer à associer ces journées de formation continue avec les entraînements des sélections départementales. Donc il faut qu'on puisse voir par rapport aux échéances qui devraient arriver au mois de janvier, à quel moment on peut prévoir cette date de formation, en sachant aussi que voilà, les bénévoles sont très sollicités et qu'il faut pouvoir avoir du temps. Donc on va essayer de voir avec le comité et les clubs, puisque c'est eux qui sont les premiers concernés, quand est-ce qu'on pourrait raisonnablement programmer une prochaine journée de formation. C'est bien que les formations que j'ai eues tout à l'heure par Laurent Berger, qui apparemment a été contacté par un club du Vaucluse pour faire un match amical, peut-être, à Minime, je crois, et Benjamin. Ça pourrait être l'occasion, effectivement, d'une journée d'entraînement, de travailler un petit peu en situation de jeu. Faire un match amical ici, à Sabaté, pour ces deux catégories, avec la sélection, ça serait pas mal. Je pense que si on arrive à le caler avant la fin de l'année, ça serait extraordinaire, ça serait bien. Donc voilà, Madame la Présidente, vous êtes prévenue. Il y aura un match amical ici de la sélection, Benjamin et Minime. Ça serait bien, je pense qu'on arrive à le mettre sur un événement avec un match de l'équipe élite ici qui permette de créer un vrai événement autour du 13 et pas se retrouver avec le samedi quelque chose et le dimanche autre chose, parce que c'est vrai que c'est souvent les manifestations qui concernent les enfants sont souvent le samedi, les écoles de rugby c'est le samedi. Et les matchs des équipes élites plutôt le dimanche, mais on va trouver que ce soit les filles ou que ce soit les gars, trouver quelque chose qui permette aux gamins aussi de rester et de voir un match avec les grands et illustrer aussi auprès des éducateurs toutes les petites règles qu'ils ne connaissent pas forcément et qui ont été évoquées aujourd'hui. Ce serait une mise en application parce que les enfants eux, ont besoin de pratique encore pour le faire bien. Et de le voir en situation sur un match entre guillemets des grands, ça peut permettre à tout le monde de mettre des idées en place. Je retiens ta proposition et je pense qu'on est au niveau du comité, on est open pour ce genre de manifestation. Je précise qu'il y aura le 3 décembre le tournoi dans le cadre du challenge de l'Hero ici à Montpellier avec la remise des ballons dans le cadre de l'opération Un ballon pour tous dans le prochain. Ceux qui voudraient découvrir une autre façon de faire du 13, il y a un tournoi le lendemain de tag organisé par le club avec le match de l'élite justement en suivant. Donc ça peut permettre à n'importe qui de découvrir des règles du 13 sans aucun contact, puisque le tag en principe ce sont des petits scratchs qu'on arrache, donc ça peut permettre une façon ludique de découvrir le 13 pour tout le monde.